Nous jeudi à mercredi 28 février 2018. Bonjour tout le monde. Nous comptons rentrer la CAO pour troisième sortie téléjournal là. Bonjour Ruben. Bonjour Katine, nous plaisons de capable ensemble. C'est dernier sortie non pour moi certainement. Bonjour Haïti. Bonjour, bonsoir le monde. Nous comptons ensemble avec nous déjà nous souhaiter nous passer un très bon mercredi sous TNH. Mais Katine, bon mercredi à vous même. Merci Ruben. Et voici mes principaux points capables pour faire essentiel journal là pour jeudi pour nous faire connaître. Gouvernement haïtien décidé relé pour consulter ambassadeur Ligue 1 bon côté Nations Unies Denis Régis pour protester contre déclaration chef ministre là Suzanne Page fait sous pays d'après une note qui sortit dans le ministère Affaires étrangères hier lundi 26 février 2018 là. Dossier blocage fonds communal yo té nan mitan yon rencontre qui déroulé hier mardi entre membres commission intérieur et collectivité territoriale là et puis commission planification et coopération externe dans Sénat République là ak représentant Fédération nationale magistrat haïtien yo FENAM. Population Joanaria, première section communale Encha ak localité Lagoun Kishita dans troisième section communale Atina Maïsada recevoir appareil pour permettre au gain courant la caillou. Une initiative qui rentre dans le programme CAIPAM éclairé. Trois moun internés l'hôpital et puis 11 l'autre senti au pas bien après yo fin respirer l'eau de yon substance dans yon enveloppe suspecte. Incident si la passé hier mardi dans yon base militaire américain qui chita dans zone Harlington dans état Virginie, patron Washington dans pays États-Unis. Ensemble, bon ça avec un pilote qui pour faire essentiel troisième sortie téléjournal là rete branché chez nous on a pas tourner dans un petit moment tant pis pas déplacer. Merci parce que toujours été branché télévision nationale d'Haïti n'a pas souhaité tout le monde bienvenue dans développement information. Commission intérieure et collectivité territoriale ensemble avec commission planification et coopération externe Chita Palé a hier mardi 27 février avec représentant Fédération nationale magistrat haïtien yo dossier blocage fonds communal yo té nan mitan discussion sila yo selon président commission intérieure Francenet Denius avec président commission planification Sorel Jacinthe qui té nan micro Fedner confident avec Maurice Ulrich. Il y a une mésentente entre la Fédération nationale des maires avec le ministère de la Planification sur la question du déblocage des fonds communaux. Le ministre a eu un argument qui chita sur un arrêté. Et c'est l'arrêté du 27 septembre 2017. Et FENAM lui-même a gagné une lecture qui n'est pas contraire à lecture ministre planification, mais qui bat une possibilité pour fonds yo te capable de débloquer et pour tes services en dans commune yo. Maintenant, rencontre l'an li te fait autour de seul point ça, et nous te abordons l'autre point que nous pas épuisé net, c'est la mobilisation fiscale, mais essentiellement nous te parler de fonds communaux qui doit débloquer, d'autant plus que ça fait 4 ans. 2 ans sous gouvernement président Matéli, 1 an sous président Priver, 1 an sous président Jovenel, pour ne pas débloquer, population a un problème. Donc, nous faisons une discussion, nous pensons qu'il capote en pile fuit, en attendant que demain, nous rencontrions avec le ministre planification. Nous-mêmes, ça préoccupe nous, on a parlé de décentralisation, on a parlé de mairie, de collectivité, on a parlé de développement des collectivités. Donc jodi a nous croyons que après 4 ans pas gagné des fonds qui débloqués. Donc tant que président Francenet ou dit le sénateur Francenet nous rencontrer, nous discuter, nous fin discuter avec les maires et demain nous va discuter avec les deux ministres. Souci nous-mêmes au niveau du Sénat. La commission planification et commission intérieure. C'est comment fonds communaux ça de concert, alors pas de concert, les mairies et les deux ministères n'a ensemble pour nous connaître comment pour nous rendre fonds ça opérationnel, comment nous va débloquer fonds avec la loi en main nous, mais aussi avec le souci pour nous connaître que si 4 ans, pas aucun fonds qui
débloqué, ça veut dire que mairie, collectivité, ministère, nous-mêmes en tant que pouvoir qui parler de développement, nous n'avons pas raison d'être nous. Donc demain, avec ces arguments, nous avons chita avec les deux ministres pour en clair nous connaître qui, Mbabral dit, qui compromis comment ensemble pour nous joindre. Un modus operandi pour nous développer, nous débloquer, nous décaisser fonds. Dans le même sujet, le président de la Fédération nationale des magistrats haïtiens, Jude Edouard Pierre, exprime satisfaction pour rencontrer la qui a gagné un moment deux commissions dans le Sénat République avec un représentant de la Fédération sur le problème qui existait entre mairie et ministère planification et coopération externe sur question blocage fonds communal. Magistrat Jude Edouard Pierre expliquait mairie pas jamais recevoir l'argent cela. En nous souvient extrait toujours dans le micro Fedner Confident avec Moïse Oubich. Nous voulons dire que la discussion était bien déroulée, nous très satisfaits de la discussion. Puisque FENAM a une opportunité pour lutter, prioriser une solution institutionnelle à problème, non, qui était point de vue sénateur. Et nous verser justement auprès de la commission ensemble de documents qui sont capables d'édifier et garder comment rapidement une solution qu'à joindre. Le ministre Aviol a évoqué un arrêté présidentiel du 27 septembre 2017, qui est publié dans le Moniteur le 4 octobre 2017, lui tenir compte de un premier article. Nous-mêmes, FENAM, nous dit article 2A, l'illégal tout, et là-bas, plus possibilité, plus facilité pour Kobla décaisser avec Mério. Et puis, c'est fonds communaux, c'est développement local. Mério, c'est premier responsable en dans commune, non. Donc, nous pensons que gagner obligation, justement, que Mério joue un rôle de premier plan dans la question ça. Et demain, sénateur Yo invite le ministre Aviol pour faire des positions pâles et éventuellement nous étaffons en compte à nos trois avec le ministre intérieur pour nous garder qui solution institutionnelle nous joindre parce que nous toujours dit et m'a repris le président Jovenel, sa vie politique là, c'est un bien collectif, c'est le plus grand bien pour tous les citoyens, toutes les citoyennes. Nous pour lui comme dirigeants au niveau communal et au niveau fédération en tout, nous pour une solution institutionnelle et c'est ça qu'on a cherché, nous bien contents. C'est dans le Sénat, ça a commencé et nous espérons que ça va aboutir parce que c'est quand même 48 mois que pas grand commune bénéficie rien. C'est 24 mois d'administration de ces fonds par le ministre Aviol que pas grand commune qui recevoit rien. Donc gros problème. Alors, il était 10 millions de gouttes pendant deux dernières années, président Matelio, tu as une stabilité, c'était agent intérimaire, il va décaisser. Il était 10 millions de gouttes du président privé. L'été, dans le budget rectificatif, le président Jovenel a bâillé 500 millions parce que c'était 4 mois avec le Staffini qui était normal. Ensuite, pour Anessa, c'est 7 millions liés parce que il y a un cas avec nous qui bénéficie, que nous saluons, que nous comptons. Et je dis 7 millions liés, mais il y a 500 millions de gouttes pour 140 communes bien, qui, depuis fait exercice 16-17 là, qui beaucoup j'aime décaisser, qui était sanctuarisé, qui est disponible malheureusement, retard. Yo, inexplicable et inexpliqué. Et la Cour des comptes était en avis à ministre planification qui dit qu'il ça pour le faire. Donc, à partir de l'avis ça et de la loi organique de ministre planification et arrêté présidentiel du 27 septembre 2017, là, nous saisis le Sénat qui pourra analyser la question hein, et aider nous à une solution institutionnelle, faire toute commune, tout pays à joindre justement solution, joindre satisfaction parce que, quand même, Grand Sud, c'est plus que 18 mois, il finit crasé, il y a un fonds en d'un budget de l'État qui est les fonds communaux, et bien beaucoup de gens jeunes. Donc, on voulait quelque part, je pense que Grand-Anse, Sud-Sud-Est, NIP, mérité mieux que ça. Et je ne crois pas que les bonnes personnes, que comme l'a pas décaissé, ça fait un peu. Jean que nous annoncé là dans différents titres, ministère affaires étrangères culte condamné déclaration représentant et spécial secrétaire général Nations Unies qui d'après autorité a dépassé cadre mandat et puis montré un côté partisan dans travail représentant et spécial à Nations Unies. Toujours d'après ministère affaires étrangères culte qui rete quoi déclaration ça capable porter préjudice à instabilité politique et institutionnelle en dedans pays d'Haïti. Dans ce sens ça gouvernement haïtien décidé relayer pour consultation ambassade Ligue 1 bon côté Nations Unies Denis Registre yon manière pour capable protester contre déclaration chef ministre Susan Page.
Nous avons toujours été dans le cadre d'informations par rapport à ça, nous avons présenté dans le grand titre tout, dans le cadre d'un projet courant dans tout le pays. Le président Jovenel Moïse a mis en campé, population Joanaria dans la première section communale Enchan, avec la localité Langoun Kishita dans la troisième section communale Atina Maïsada, bénéficié appareil pour mettre courant la caillou. Citoyen Sayo qui applaudit Jessa Silla, remercie chef l'État qui pensait à Mouna Kaviva dans la zone qui est pire qu'il est dans le pays d'Haïti. Reportage Anne-Marguerite Augusta à Kevin Pierre. Un changement qui pas prend temps pour arriver. C'est avec un pile cœur content, Moun Ati et Moun Joanaria recevoir appareil pour mettre courant la caillou. Yo exprimé satisfaction yo face à engagement ça, président République là te prend en faveur yo. D'après bénéficiaire yo, geste ça montré président Jovenel Moïse pas quitter yo pour compte yo. Yo profité attirer attention président sur la difficulté y a confronté dans zone y a vivre là. OK. 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 L'aime tout ça, moi tellement satisfait depuis m'a voté depuis m'là. Première année me satisfait de ça parce que vote moi pas perdu. C'est ça que fait te dit nous c'est numéro 5 là. On seul doit pas manger calalou. Gen là c'est parce que c'est 5 là qui fait nous prend calalou assez. On nous manger vrai. Moi journée aujourd'hui me tellement content. Tant que gen pas faut qu'on besoin charger 10 goud là pour charger téléphone et comme gaz là même. Et à ce là garder belle lumière. Me faut m'acheter 5 goud gaz. Et gen doit façon petit green zone pour zéa tap pour mon poule qui t'a aidé payer l'école petit tout. C'est lui qu'on prend why vendre ba machin. Ça c'est le commencement de la modernité pour moi parce que autrefois me tenais fait noir mais aujourd'hui il y a quand même éclairé. Non seulement ça peut aider ti mounyo pour étudier puis plus ça peut aider nous de toute façon parce que depuis qu'il y a éclairé il y a un paquet avantages que jeune il y a un ensemble de travail où tu as une opportunité pour te faire pendant soirée sous pas de gain sous pas de gain si caillou pas de clair ou pas de café mais du fait caillou éclairé bon c'est normal on pas faire un pile bagaille m'a dit président merci un pile pour d'avoir ça fait pour nous et m'a demandé bon Dieu pour toujours continuer pour nous toujours voter année cap pour l'autre là candidat encore son premier président qui retire nous dans faire noir ça qui mettait nous dans lumière et par la grâce bon Dieu nous pas regretter combat là pour nous faire canaille là. Je dis président Jovenel, merci. Parce que nous pas kon, si nous te ka espérer avec lumière sa jose dia parce que c'est tête grid nous te kon lumière konya la pa, nous pas plemer tête grid encore. Député Inchlan Fred Piton salier initiative ça cap contribuer dans j'effort cap fait dans cadre développement durable là. D'après parlementaire avec courant ça mon yo gagne la caillou pral permettre activité économique dans nuit yo reprendre. Ça qui pral aider à améliorer condition la vie moun yo. Député Maïsadla, Louis Romel Bogé, allait dans même sens là. Li croit lumière c'est un moteur développement durable équipe en place là à Pronea. Programme ça sous programme qui fait à politique. Côté président, li dit que si ou fait une zone, c'est pour prendre toute zone net en général. Ou pas bien connaître si moun ça a été moun port, si moun ça pas moun port. Avec ça là pour moi même c'est puis on a plus bon mari qui est important qui permet que programme ça marcher dans bien j'ai dans le marché et me penser que le bail qui est extrêmement important c'est que Jean directeur saute dire l'organe monde qui t'a dépensé près de 15 gouttes et mieux dans la tête grid d'app l'emballen ou regarder qu'on y a la gros cac saute passer la dernièrement là dans la beg bien que yo pour finaliser le net dans la justice mais que trois timoun qui brûlé. Jusqu'à présent, nous ne connaissons pas même problème sur créer qui fait ça arriver. Pour moi, même, c'est extrêmement important. Depuis que je connais que je travaille dans la commune, je ne peux jamais côté population content comme ça. Pour aller à soi, tout le monde qui a vécu, qui a dépensé gaz, lampes, baleines et bois pain, qui ça a été représenté pour Kayo. Je dis à nous, nous dans la section Lagoun, et nous Lagoun, dans la section Ati. Jodi an c'est avec un pile cœur content que moun yo recevoir ti kit sa yo qui là qui pral changer vie yo qui pral améliorer vie yo. Pral améliorer vie yo sur deux points. Sur et question santé yo, il pral améliorer santé moun sa yo. C'est environ 1000 familles dans deux zones sa yo qui bénéficient courant la caillou. Bénéficient yo quoi avec lumière yo vinn gagner la caillou, pral aider changer condition la vie yo.
Pour te remettre sur appareil ça, plusieurs séances de formation t'est organisées en faveur yo pour montrer yo comment pour yo gérer appareil yo pour permettre yo durer longtemps. Merci à collaboratrice nous Anne Marguerite Auguste qui t'a présenté nous compte rendu si là l'autre information dans journal là sous demande des directeurs général BM Padla commissaire gouvernement Port-au-Prince Lamet Oknam Clamé Damayus posé scellé mardi 27 février sous bateau qui gagne 43,000 barils gaz qui était dans terminal Tokafua. Directeur général BM Padla Fizeme Ignace Saint-Fleur expliqué au prend décision si là à cause gaz ça gagne dans la 43 000 barils gaz, ça fait partie de 125 000 barils qui a ça gain tape gain pour livrer d'après directeur général BM Padla qui fait qu'on est produit yo mette dans gaz là tape la cause en pile moteur machine écrasé. New extra dans micro Marguerite Auguste qui a Michel Joseph qui était sous place. La Dinasa qui était gagné au marché au niveau du BM Pad côté pour te venir avec environ 225 000 barils de gasoline. Cependant, après prélèvement et analyse qui fait du prélèvement produit, nous devons réaliser que le produit est impropre à la commercialisation et la distribution. Nous chita avec Dinasa, avec d'autres partenaires du secteur Sol Total, qui fait partie de APP, qui c'est l'Association des professionnels du pétrole, côté nous demander Dinasa, suite à refus l'autre compagnie pour recevoir produit, et suite également à l'analyse qui fait qui arrive à la conclusion que le produit a gagné en reteneur d'éthanol là-dedans, contrairement à produit que nous demandons, BM Pad Chita avec Dinasa, et suite à la rencontre ça, à la date du 20 février, nous avons une correspondance pour nous demander pour nous réembarquer les 43 000 barils que yo te getan de verser dans cuvio dans tank yo puis yo réembarquer 43 000 barils ça et nous interdit gaz là à la commercialisation et à la distribution. Cependant, nous te pour trouver nos situations difficiles de proche de on panique quand deux jours après, ce même partenaire, la Dinasa, a fait publier une note côté que annoncé on panique sous dans le pays. Côté elle dit pas gagner gaz dans le pays, il n'est pas capable de continuer à approvisionner Pomplio. Nous comprenons dans quelle situation nous avons retrouvé aujourd'hui. Heureusement, gouvernement République là, heureusement, le président de la République, le Premier ministre, le ministère de l'Économie et des Finances et le BM Pad ont eu une capacité pour anticiper la qualité de crise qui était pour le pays suite à la publication de notre tête chargée d'Inassasa, sans pas même tenir compte de Chita avec nous, gouvernement, président, premier ministre, etc., nous placer en commande qui arrivait hier dimanche là, à 6h à Tevasa. Pas guérant des gaz sur le marché local là, c'est déclaration secrétaire d'État pour sécurité publique là, Ronsard Saint-Cyr. Ronsard Saint-Cyr fait connaître tout de suite après Rimessa,
commencé, l'État te prend toute disposition placer un commandant qui arrive depuis dimanche par Boïsit et puis qui déjà commencé distribuer. Toujours dans le micro, Anne-Marguerite Auguste avec Michel Joseph. Pas de rareté gaz. Donc, nous mettons tout le monde en confiance que gen gaz qui arrive hier pour pas gen pénurie gaz. En un mot, je conclue comme ça. Si gaz avance sur le marché, il y a un gabarité. S'il pas quitter le pays à temps, il y a un gabarité. Et si il y a un gaz, il y a un plan tout le monde, il y a un gabarité pour casser. Il y a pour répondre à la justice. Parce que la justice, déjà, en mesure préventive pour ça pas arriver. Depuis qu'on a un gaz à arriver, il y a un gabarité pour casser. Toujours dans le même dossier, si la décision pour poser scellé sous baril pétrole, ça, c'est preuve qui montrait l'État prend responsabilité d'après le ministre intérieur collectivité territoriale, là, Dr. Max Rudolph Saint-Albin. Gaz éthanol, ça a gagné jusqu'à 5 mars pour quitter le pays, d'après le commissaire gouvernement Port-au-Prince, M. Oknam Clamé Damius. Gain sanction, la loi prévoit qu'il va appliquer contre compagnie, ça, si toutefois responsable, pas table obéi à quelle décision l'État d'après le commissaire gouvernement Port-au-Prince. On a fait vite au suivi un bout d'intervention. Un amico Anne-Marguerite Auguste avec Michel Joseph. L'État a gagné obligation pour garantir l'investissement dans le pays. En même temps, l'État a gagné tout. On a obligation qui c'est protéger tout citoyen qui a consommé produits qui a fait dans le pays. Dans ce cas, nous informer. Et m'a tout dit, nous avons un système de renseignement qui permet que nous gagnions des informations que gaz ça, même j'en dis que tu as dit là, gaz ça a gagné là dans un fort éthanol. Je vais expliquer en plus, c'est un technicien, c'est côté droit qui intéresse moi. La donne, et une fois que tu as commercialisé ou bien distribué, qui ça peut arriver là ça, ou peut avoir un problème avec moteur, véhicule qui utilise gaz ça. Nous sommes obligés, nous-mêmes comme autorité, d'abord, un, pour nous venir empêcher, interdire et dire, quelle que soit la quantité de gaz qui est là, il faut qu'il ne soit pas commercialisé sous marché haïtien, parce qu'il nous mettre dans une situation de sécurité. Deuxièmement, pour nous prendre des mesures, qu'aimerait les mesures préventives, et mesures préventives, ça y est, c'est d'abord, poser scellé sous tank qui gagne gaz là dedans et là nous fin poser scellé sous tank yo nous exiger un délai et délai ça nous bay moun yo jusqu'au 5 mars nous bay encore dinasa jusqu'au 5 mars pour gaz ça pour réembarquer et pour quitter pays. Donc c'est dans le délai ça que nous payons là, injonction ça que nous faisons. D'abord, nous rassurer nous, gaz là pas commercialisé. Et deuxièmement, nous payons un délai, nous faisons injonction à Dinasa pour gaz ça quitter pays là. Et nous payons jusqu'au 5 mars. Et passer ce délai, les gens qui sont responsables là, l'a gagné contre Aran. Et moi dis que, en tant que garant de l'ordre public, l'État au plus haut niveau et via la personne du commissaire du gouvernement qui a une responsabilité dans garant l'ordre public pays pour nous dire faut que tout le monde en sécurité. Pour yo en sécurité, faut que le gaz ne soit pas commercialisé. Et pour ne pas commercialiser, faut nous rassurer nous que yon moun pas retirer le gaz ça pour le mélanger à l'autre gaz qui fait jodia moins présent et moins déjà. By charge émission à monsieur Franz Loco qui gagne pour gagner clé sur les anameni côté que sous surveillance gaz ça pas déplacer et aussi jusqu'au 5 mars que yo gagne pour gaz la réembarquer et quitter pays. Nous pensons que son signal fort pour nous devine prendre responsabilité nous en tant que l'État pour d'une part pour nous assurer que gaz ça qui est propre à la consommation ça que l'été commercialisé sous marché local. Ça, c'est la première considération. Deuxième considération, et assurer tout, dans le même temps, pour ne pas venir prendre aucun prétexte, aucun alibi, pour gagner aucune forme de pénurie
sous marché. Et là, justement, le directeur général BM Patna Sotil, que nous avons anticipé le problème, ça, côté justement, il y a arrivage, un bateau qui arrivait hier soir, qui déjà, et côté Gaza, distribué déjà dans la pompe. Et certainement, il y a l'autre disposition, il y a l'autre arrivage qui est prévu dans le jour qui vient pour ne pas tomber en rupture. Nous parlons rapidement dans l'actualité internationale. Là, nous parlons dans le pays États-Unis. Une enveloppe suspecte tombée dans la base militaire américaine qui chita dans la zone Arlington, dans l'État Virginie, pays États-Unis. Plusieurs personnes qui respirent l'eau de cela allaient à l'hôpital. Parmi les trois là dans l'éternel hôpital, il y a 11 autres qui sentent pas bien. Reportage Euronews. Trois personnes ont été hospitalisées et 11 se sont senties mal après l'ouverture d'un courrier suspect mardi dans la base militaire d'Arlington, près de Washington. La lettre, qui contenait une substance inconnue, a provoqué des brûlures et des saignements de nez chez celles et ceux qui se trouvaient à proximité. Une équipe de détection des matières dangereuses a été envoyée sur place et le bâtiment a été évacué. Les trois personnes hospitalisées, dont deux Marines, sont dans un état stable. Nous avons toujours été dans l'actualité internationale. Nous parlons dans le pays Slovaquie. Pour une fois qu'on a un journaliste investigateur, Juan Kuciak, joué entre jeudi pour l'ouvrir dimanche. La police en Slovaquie découvre que le journaliste là, Madame Ni, tout est mort avec balle. Nous avons vu suivre un compte rendu à Euronews. La Slovaquie est sous le choc après l'assassinat du journaliste d'investigation Jan Kuciak, âgé de 27 ans. Son corps et celui de sa compagne ont été découverts dimanche soir dans leur maison située à une soixantaine de kilomètres de Bratislava, la capitale. C'est incroyable, c'était des gens très bien. Ils avaient acheté cette maison ensemble avant de la rénover. S'il s'avère que l'acte commis est en relation avec le travail du journaliste qui a été assassiné avec sa petite amie, je peux vous garantir que ce sera l'enfer ici. Tout sera fait pour tirer au clair cette affaire, car il n'est pas possible de dire que nous vivons dans un état démocratique et en même temps voir ce genre de choses arriver chez nous. Selon la police, ce crime est très probablement lié au travail du journaliste spécialisé dans les affaires de corruption. Il enquêtait notamment sur de possibles liens entre le monde des affaires et le parti au pouvoir. Je tiens à faire part de mes sincères condoléances. Si cet acte est bien lié à son travail, cet événement est sans précédent. C'est une attaque contre la liberté de la presse. Le Premier ministre, qui par le passé qualifiait certains journalistes de sales prostituées anti-slovaques, a proposé d'offrir une prime de 1 million d'euros pour toute information qui permettrait d'aider à trouver le ou les responsables du crime. Information faite tomber matin, Nicolas Maduro posé candidature officiellement pour la prochaine élection pays Venezuela pour le capable de remplacer pour peut-être pas ce pouvoir. Malgré coalition opposition politique là demandé pour capable boycotter élection ça yo qui gain pour capable faire 22 avril qui venir là Henri Falcon lui-même qui c'est un opposant d'accord pour lui affronter Nicolas Maduro dans prochaine élection ça yo Euronews pour plus de détails. C'est officiel, le président vénézuélien a déposé sa candidature pour se succéder à lui-même. Nicolas Maduro a même convoqué un grand rassemblement de partisans pour marquer le coup. Malgré une cote d'impopularité de 75% dans un pays en pleine crise économique, il affiche sa confiance reggaeton en prime, car les adversaires sont rares. La principale coalition d'opposition a en effet appelé à boycotter le scrutin du 22 avril, dénonçant un simulacre d'élection. Mais Nicolas Maduro a son explication à ce boycott. S'ils ne s'inscrivent pas, c'est parce qu'ils en ont reçu l'ordre de l'impérialisme nord-américain. S'ils ne s'inscrivent pas, c'est parce qu'ils savent que face au peuple vénézuélien et à Nicolas Maduro, on ne gagne en aucun cas une élection présidentielle.
Il en est pourtant un qui fait figure d'opposant, Henry Falcon, un dissident du chavisme qui s'est présenté contre la volonté de la coalition d'opposition. Sa candidature a été validée par le Conseil national électoral, une instance à la botte du gouvernement. Mais il dit poser ses conditions, que l'élection soit retardée et qu'une mission d'observation des Nations Unies surveille le scrutin. Le gouvernement que nous voulons pour le Venezuela, c'est un gouvernement d'unité nationale qui inclut et pas qui exclut. Un gouvernement qui puisse nous sauver de cette misère, de cette tragédie, de cette débâcle dans laquelle nous a plongé ce gouvernement incapable et inepte. Une candidature qui divise un peu plus une opposition déjà très affaiblie, laquelle en appelle à la communauté internationale pour forcer le camp présidentiel à garantir une élection crédible. Voilà, c'est avec dernière information ça que je n'en la cabane pour jeudi, mais principal point qui était fait essentiel. Le gouvernement haïtien a décidé de relayer pour consultation ambassade de Guinée, beaucoup des Nations Unies, Denis Régis, pour protester contre la déclaration chef ministre sous un pédure fait sous pays d'après une note qui sortit dans le ministère Affaires étrangères culte hier lundi 26 février passé. Dossier blocage fonds communal de Tenamita, une rencontre qui déroulait hier mardi entre commission intérieure collectivité territoriale et puis commission planification et coopération externe dans le Sénat République, la représentant Fédération nationale magistrat haïtien. Population Joanaria, premier section communale à Inchan, avec localité Lagoun Kishita, dans la troisième section communale Ati dans Maïsada, recevoir appareil pour permettre au gain courant la CAIO. Une initiative qui rentre dans le cadre d'un programme CAIPAM Cléré. Et puis à l'étranger, 3 mouna interné l'hôpital et puis 11 l'autre senti au pas bien après yon fin respirer l'eau de yon assistance dans yon enveloppe suspecte. Incidence là passé à Yemadi en yon base militaire américain qui chita dans la zone Harlington dans l'État Virginie. Patrol Washington, pays États-Unis. Et c'est là, journal arrive dans bout, nous sommes contents pour nous être capables de présenter les libertés seulement pour nous capables de souhaiter passer une bonne journée sur les zones nationales d'Haïti. Ricardina, bon mercredi à vous-même. Merci Ruben, très bon mercredi à vous-même. Et quant à téléspectateurs et téléspectatrices, chaîne YouTube, nous avons invité à arrêter de brancher. L'information a continué sur notre télévision nationale et nous avons souhaité tout le monde passer une excellente journée de mercredi, une très bonne fin de semaine.